déposer les armes d'abord et reconnaître l'autorité de l'État, Gary Conille. Monsieur tourné avec même déclaration, son gel t'a fait. Pendant le tap installé, mini justice là, là, on t'a posé la question, qui possibilité qui gagne pour coopérer ou bien pour négocier avec Gagnon? Monsieur t'a dit Gagnon a deux choix. Déposer les armes, reconnaître qui ça l'État est, reconnaître nous pas rien. Reconnaître c'est l'État qui a dominé, c'est l'État qui a dirigé. Et après, peut-être nous-mêmes n'a gardé pour nous, qui ça nous a fait pour vous? Gary Conille, monsieur tourné avec même déclaration. Il t'a participé dans une émission dans RFI. Gary Conille dit, il pas exclu possibilité peut-être pour ta négocier, dialoguer avec Gagnon. Mais faut d'abord, Gagnon réduit puissance yo. Descend yo. Reconnaître c'est l'État qui commande, c'est l'État qui force là. Et que yo même, yo pas rien. Les déclarations, mesdames, messieurs, de Gary Conille. Faut que nous ayons pas tout le monde qui voit déclaration ça de bon oeil. Et quoi qu'on se papa? Y'a moun qui dit qui ça? Pour ça, gang, ça y'a fait nous, je y'a touye nous, je y'a passé nos bêtises, je y'a assassiné policier nous yo, de janvier à aujourd'hui là, c'est plus passé 20 policiers qui t'ont mouru en bas à l'assassin. Et puis, pour PM nous dit, libre à négocier avec bandit ça yo, faut nous comprendre, déclaration gang pile diplomatie là dedans, restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs, nous pourrons parler, nous pourrons causer. Gary Conille était sous podium Nations Unies. Mercredi 3 juillet 2024, là, en pile causé parler, en pile discussion faite, en pile message publié, mesdames, messieurs, restez là, en démission ça, ou pas possibilité pour tendre premier ministre, ou pas possibilité, mesdames, messieurs, pour vivre message dénoncé pour peuple haïtien. Et restez là, j'aime toujours dire, il y a de l'espoir. M'ba vin fois douce, m'ba vin bon parole, comme si pour oublier tout ça qui passe dans le pays. Moi, dis ou gen espoir. L'espoir fait vivre. Soldats Kenya yo déployé. Ah oui, yo déployé. Aïe, aïe, aïe. On va pas demander opération seulement. Pas demander bilan seulement. Ok? Mais yo déployé. Mercredi 3 juillet 2024, là, nous t'es qu'à remarquer plusieurs soldats kenyans. Yo te débarqué, mesdames, messieurs, dans Tabar, Kafurita, Zamalame, monsieur t'a patrouillé. Et rete là. Nous allons voir plus de détails, nous allons causer. Pour ça qui vient ouais avec date prochaine de déploiement, reste force multinationale là. Premier ministre Gary Conille dit, nous poko en mesure, pour nous bailler des détails, nous poko en mesure, pour nous dire exactement, mais qui le, mais qui joue, mais combien de soldats qui vini, mais nous mettre ton nous bientôt. Les soldats, yo, a bien pour déployer là. Gary Conille, dans quatre plusieurs visites l'a fait, l'ité chita, ensemble avec directrice, Fonds monétaire international, la sané, le FMI, en pile cause parler, en pile discussion faite, mais surtout, Gary Conille, t'es discuté pour qu'on ait exactement qui pourra être capable de bailler Haïti dans le cadre de la fête pour recamper l'économie. Encore une fois, dans l'émission, ça, ou pas de possibilité, mesdames, messieurs, pour qu'on plus. Et gros cause, oui. En pile cause. Gros bonne nouvelle, lui, là. Est-ce que m'ko kabo bonne nouvelle, là? Bon, m'gade, combien moun gila, bon, m'gade. Gros bonne nouvelle. Quand t'es ma parle à voilà, mesdames, messieurs, l'armée d'Haïti sous route pour recevoir une formation. Tenez bien ça, Mamdoula. Ministre de la Défense, là, monsieur Téchita, mercredi 3 juillet 2024, là, l'Itechita, mesdames, messieurs, ensemble avec ambassadeur États-Unis en Haïti, n'a parlé de, comment citoyen ça arrive encore, ok? Monsieur, c'est Denis Hankins. Il était chita ensemble avec lui. Et autour de discussion, ça, mesdames, messieurs, en pile cause de parler, mais surtout, possibilité pour que yo fait une formation, ou bien yo bay une formation spéciale pour soldats, forces armées d'Haïti, yo, et pour yo capable de venir plus efficace dans le cadre plusieurs opérations qui parlent pour mener là. Gary Conille dit, Kenya, force multinationale, y'a pas vu là pour remplacer la police nationale d'Haïti, ni y'a pas remplacer l'armée d'Haïti. Et quoi qu'on sait? Monsieur dit, présence force multinationale là, c'est pour accompagner la police. Mais opération, yo, c'est la police, c'est l'armée, qui a des
possibilité, mesdames, messieurs, pour mener yo sur tout territoire national là. Et c'est peut-être ça. Jean-Marc Berthier Antoine, le ministre de défense d'Haïti, l'ité chita, ensemble avec ambassadeur américain en Haïti, en pile cause te parlé, en pile discussion te fait. Restez là, mesdames, messieurs. Nous allons porter tout détail baou. Nous allons dire exactement, en l'eau et en l'âge, qui ça t'est passé, comment ça t'est yé. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y'aime. Quand t'entrer la caille, nous, ça avec un pile plaisir. Nous entrer la caille, avec même vibe là, même fougue là. Nous rentrer la caille, mesdames, messieurs. Tout feu, tout flamme. Semaine avancée, oui, là. Nous étions jeudi, bonheur, bonheur. Restez. À la semaine, gué courage pour le courir, papa. Je dis à guetant, combien là? Je dis à guetant, 4 juillet. Fête indépendance des États-Unis d'Amérique. Restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs. Merci pour like ou merci pour commentaire. Merci pour partage ou merci pour love, love, et ben nous. Merci à chaque fois où dit nous, esgrâce. Moi, mes travaux à faire. Ça mettait l'huile dans le moteur, moi, pour me continuer à frapper, pour me continuer à travailler du, pour me venir informer ou, pour me porter actualité à bas ou. Restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs. Pas déplacer nous, s'il vous plaît. Pas faire ni à droite ni à gauche parce que maintenant nous là moi-même juste bon mon petit temps mal là mon petit de l'eau dans gorge en moi et puis mesdames messieurs n'a pas retourné dans un badge. Nous retournons après pause là. Merci pour passer sous. Merci pour fidélité. Merci parce que vous toujours été connecté ensemble avec nous. Ou faire nous confiance pour nous informer. Et je nous toujours dis, nous renouvelons nous, mesdames, messieurs. Nous renouvelons engagement nous pour nous continuer à informer pour nous porter actualité à bas ou en dedans la caillou. Est-ce que vous abonnez déjà? Vous faites ça déjà? Très bien. Bravo. Et encouragez mon nouveau vidéo à Balia. Dis-le, regardez-nous. Pas fin temps de vous pas activer cloche notification non rapide rapide conseil moun nan pour activer cloche notification an. Et c'est ça qui permet li toujours être connecté. Merci à toute fanatique qui fait nous signe qui dit nous SDS mon cher m'pa ki bel pou kòm m toujours partager bravo ki bela ou montrer m travail la m'pa fèl pou kòm très bien parce que n'ap travaille ensemble nous dit ça déjà nous renouveler engagement nous mesdames messieurs pour nous continuer frapper ensemble nous songe Gary Koni nous souhaiter prendre engagement déjà pour te dire li pas ta gi problème pour négocier avec gang yo. Mi fok gang yo descend kolèt yo. Ou sonje l'un de biti gon bagay ou gen doit faire parent ou. Et puis parent gon jèl te ka koupran nou oui. Mais dis non, faut monsieur faut vol descend ni avant. Faut descend kolèt ni avant. Monsieur toi frekèl toi sou moun. Faut le mander pardon. Même si moi m'pa bon menti en ce qui me concerne. Selon mon avis, mon humble avis, quand j'ai négocié avec gang, yo son parole liée. Fais-moi confiance, s'il vous plaît. Afin gang qu'on dit tout, il n'y a pas de problème pour négocier ensemble avec gang, yo, il faut que gang yo dépose les armes. Ça, un paquet de diplomatie là-dedans. Pas mal de négociations, vous voyez, vous êtes quoi? Pas mal de négociations. Et si vous négociation, vous êtes quoi? Magali habitant. Ha ha ha. Vous savez, vous avez une dit, yo, petit toto, quand je n'ai pas posé ça, dit, eh ben, nous lis la page. Vous comprenez? Magali habitant. Ou est-ce qu'il prend bateau pèlerinage li? Ou elle prend pelle, il prend bouette li? Ou elle prend camion CNE? La psionne dans tout rue, dans Port-au-Prince, li dit, li pour faire nettoyage, la privé jouk martissant. Pas maintenant tête ou son cause nettoyage li est vrai. Ce signal qui voyait Magali habitant, li ka servi pont entre bandi yo et gouvernement. L'état pa ka, même du gouvernement pa ka démenti nous non ça nous dire. Bandi yo pa ka démenti nous non, même sous tande a dit pas vrai, nous pas voye moun al négocier pour nous. Nad Marina de Radot Bundanini. Alors vous dites, j'ai situation hier là dans Badelma. Magali habitant à l'amba, par un pétac tiré, Magali habitant pas couru. Vous comprenez, toute machine CNE ou bien tout matériel, yo tout travail fait correctement. Vous pensez comme si sont tombés du ciel ça est, alcool non. Alcool non zanmi. Moi même et entendez pour dans ce premier temps, Magali habitant t'a parlé de cause nettoyage et côté m'a pas la voilà, Magali habitant t'a parlé de dialogue. Qui rapport dialogue bien avec nettoyage?
Ou ka di établir un rapport pour moi entre deux ça, deux thèmes ça yo. Pour est-ce que gon corrélation entre yo? Dialogue, nettoyage, nettoyage et nettoyage, dialogue et dialogue. Ou d'accord sur ça? Mais qui ça? Magali habite à faire nettoyage, parce que c'est ça le dit. Libéral nettoyer, pour moi, la assainir, et puis qu'on a parlé de dialogue. Vous pas comprenez, hein? Ok. Ok. Parce que, des fois, nous disons, moi, crémezé, nous pouvons passer, moi, mais non, j'ai envie, nous, toujours dit ça, j'ai envie, nous, bral, mais pas moi, qu'à chercher le côté lié. Gary Koni, il dit lui-même, il pas de problème. Pour le négocier. Mais est-ce qu'elle va le négocier avec un bon nègre qui a des âmes dans le meilleur pour être des âmes sous population? Comment? Comment négociation pour le possible? Pendant représentant soit abattu dans le quartier populaire, ou bien pendant négociation fait tout de way, yo kidnappé deux moun, yo kidnappé un moun, yo kidnappé trois moun, yo tué quatre moun, yo deux policiers mouri. Comment? Comment négociation c'est pour le possible? Et Gary Koni, monsieur dit, pour toute négociation faite, faudrait-il que monsieur Sayo, yo reconnaître défaite yo, yo reconnaître yo c'est des nuisibles, yo c'est des insectes. Faut que yo déposer les armes. Même si moi-même, et monsieur, Stuart Blanchet a d'accord avec moi côté l'a tendre dedans là. Moi sûr et certain. Nan tête Gary Koni l'a dit. Cause négocier avec bandi c'est nat barine c'est adot lié. Meilleure négociation qu'a gagné avec bandia, mesdames, messieurs, c'est mettre coup de zame sous les pieds, la gueule dans le cimetière fini. Ou bien la gueule nous trou. Il n'y a pas de négociation possible avec ces malfrats. Qui négociation? Comment on va négocier avec un bandit? Bon, ok, on entend. On garde un bagay. Ok, nous même qui en bas vidéo, on suive. Ou bien on fait un petit dialogue. Si on négocie un bandit, qui ça nous va faire? Comment négociation va lier? Qui ça n'a pas négocié? Parce que quand même, faut que nous sortions de un point. Faut que nous commençons au côté. Faut que nous disions n'a pas négocié à partir de tel ou tel bagage. Ou d'accord sur ça? Ok, pas de problème. Qu'on n'y a pas de problème. Nous allons négocier pour qui ça? Autour de qui ça? En attendant nous. Négociation va le faire autour de qui ça? Nous sommes bandits. Nous représentons des insectes nuisibles. Nous représentons des éléments indésirables. Nous baillons l'État problème. Depuis 10 ans de temps, nous mettons l'État à genoux. Nous avons demandé négociation. Qui ça va négocier avec nous là? C'est ce que j'aimerais savoir. Vous voulez qu'on négocie? Ok. Mais on va négocier de quoi? Vous va négocier amnistie pour? Vous va négocier pour avoir un poste dans l'État? Pour avoir un portefeuille ministériel? Est-ce que c'est ça nous besoin? Qui ça négociation y est? Et ça fait, en pile fois, journaliste, yon gont tendance, bay bandi a parler, mais yon pap ka pose le vraie question. Moi, mais ça fait, balap ka bay bandi parler, comme si, aller dans le quartier populaire, elle fait interview avec bandi. M'balap capable. Parce que, n'en cas d'où interview, n'en cas sorti de pied devant. Est-ce que vous comprenez? Parce que, qu'est-ce qu'on fait poser bandi a? Bandi a tout livre, dialogue, ou n'y a ok, pas de problème, barbecue, ou dit dialogue, dialogue autour de qui ça? Dit, ou le gouvernement discuter qui ça avant même, qui ça? Pour yon pas tout yon? Pour yon pas venir arrêter ou, pour yon quitter libre, est-ce que c'est ça? Parce que autrefois nous te dit, c'est parce que l'État la gué quartier ça yo, nous baguer cop non mais nous pour nous fonctionner, etc. Bon, je dis à nous c'est des multimillionnaires. Ça veut dire problème cop là, ça va poser encore. Est-ce que vous comprenez? Je dis à nous c'est boss. Donc nous va qu'à dire c'est moyen baguer encore. Qu'on y a nous demander négocier, négocier qui ça? En attendant nous. Parce que, et ça que vous mando ou même, mando aide ou? On garde pour nous. Si bon Dieu a demandé une négociation, qu'on a engagé pour nous, qui ça a commandé négocier? Parce que, nous sommes souvent contents de dire, bon nous-mêmes, nous la gagnons dans le quartier, nous pas gagné, nous pas gagné pour fonctionner, nous pas gagné courant, nous pas gagné de l'eau. Je dis là, chaque quartier ça a, bandit a arrangé une façon de gagner courant, a arrangé une façon de gagner de l'eau. Et l'hôpital a demandé, c'est eux-mêmes qui ont crasé. Ils ont demandé l'école pendant ce temps, conseiller de l'école, qui est-ce qui crase l'école ça, pour faire abri, pour être capable de camper gourmand ensemble avec bandit pareil, ou bien pour gourmand avec la police, c'est même bandit ça, ou bien négocier qui ça? Vous voulez qu'on négocie? Ok. Négocier qui ça, qu'on y a? Donc, si, barbecue t'a pas là, on m'a dit, bon, même, vous voulez pour négocier avec le gouvernement, faut qu'il t'a dit, ok, mais ça, l'est pour le gouvernement négocier. Parce que si on parle de négociation, il faut que nous sortions de un point à l'autre. Il faut que nous discutions autour de un sujet, autour de un bagage. Il y a un intérêt, il y a une demande.
Ou d'accord sur ça? Je demande laisser qui s'allie. Qui bon chita? Ma ou tu comprends? Donc, Gary Cody, monsieur dit, ok, pas de problème. Ça a toujours arrivé. Ok? Possibilité pour négocier, la porte est ouverte. Mais d'abord, faut que tout bandit reconnaisse autorité de l'État, il a déposé les armes. Moi-même, pas dit déposer, moi-même, dit c'est remettre les armes. Et ça m'a souhaité. Si on pas d'accord remettre parce que déposer un nèg a dit OK me déposer zam non il une partie de tirer c'est que le déposer et ça nèg la pral dit oui nèg pral dit mais pendant période de temps on partait de kidnapping dans pays là pendant période de temps là on partait de gens qui mourir pas frère mais c'est tati me déposer zam non mais qu'on a qui ça pas empêcher nèg ça reprendre zam ça le vle et déposer le déposer mais s'il remet lui si ou même l'état au marché au prend zam ça non mais là c'est une autre histoire ou d'accord sur ça donc Gary Conny non on dit non participation sous podium Nations Unies Gary Conny l'été fait des déclarations que m'gal invite au tendé mesdames messieurs monsieur le président madame la représentante spéciale du BINU honorable membre du Conseil de sécurité je commencerai évidemment par reconnaître la présence dans la salle du ministre des Affaires étrangères dominicain monsieur Alvarez de la représentante du Canada le représentant de la représentante de Saint-Kitts et Nevis et évidemment du représentant de Kenya. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil, c'est avec un sentiment profond de lourde responsabilité, un espoir renouvelé dans l'engagement d'Haïti à être actrice de son propre devenir que je partage avec vous aujourd'hui les aspirations des millions d'Haïtiens. En effet, malgré des années de lutte acharnée et de résilience inébranlable, notre peuple continue de se battre pour un avenir meilleur. Haïti, enraciné dans une histoire de courage et de liberté, est prête à tourner la page décisive de son histoire. Avant tout, permettez-moi d'exprimer ma gratitude envers l'ambassadeur de la Fédération de Russie, son Excellence M. Vassili Nemanzia, pour sa présidence du Conseil de sécurité ce mois-ci, et je lui souhaite plein succès dans l'exercice de ses responsabilités. Je tiens également à remercier la présidence précédente, assurée par la République de Corée, pour son engagement exceptionnel et la gestion efficace des travaux du Conseil qui ont renforcé notre mission commune. J'adresse un remerciement spécial au secrétaire général pour son soutien indéfectible envers Haïti depuis son entrée en fonction. Son dévouement pour la cause d'Haïti et sa volonté à travailler à nos côtés pour surmonter nos défis reflètent l'esprit de solidarité nécessaire à notre progrès. Sa présence continue et son soutien sont une source d'inspiration et de confiance pour le peuple haïtien. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil de sécurité, je tiens aussi à exprimer mes sincères remerciements à Madame Maria Isabel Salvador, représentante spéciale pour Haïti et chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, pour son rapport détaillé et sa présentation perspicace sur les récents développements en Haïti. Madame la représentante, votre analyse approfondie et vos observations critiques offrent une importante note de compréhension des enjeux actuels. Je remercie également les membres du Conseil pour leur intervention précieuse aujourd'hui. Votre dévouement et votre engagement en faveur de la stabilisation et du progrès en Haïti sont profondément appréciés. Nous sommes conscients des préoccupations soulevées par le rapport du BINU et partageant l'urgence de résoudre de manière durable les problèmes sécuritaires exacerbés par l'activité des bandes criminelles. Ces défis menacent le tissu social et économique de notre pays et entravent nos efforts de reconstruction et de développement. Le rapport souligne également les progrès dans la mise en place de structures de gouvernance transitoires qui sont vitales pour la stabilité politique et sociale d'Haïti. Nous encourageons donc le support du BINU dans l'appui du processus politique pendant ces périodes de turbulence politique. Ce rôle reste important pour réduire les tensions, préserver et multiplier les espaces de discussion, encourager le dialogue interhaïtien. L'établissement d'une collaboration solide et d'une coopération efficace entre les autorités nationales de la transition, la mission multinationale d'appui à la sécurité et le BINU demeure fondamentale et nous aidera dans notre mission de rétablissement de la sécurité et de restauration des institutions démocratiques qui sont des essentiels stratégiques de la transition. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil de sécurité, la solidarité entre les peuples est rudement mise à l'épreuve par les conflits locaux, nationaux et internationaux. Près d'une trentaine de conflits majeurs affectent en ce moment les populations, provoquant ainsi de graves crises humanitaires et des nombreux corps de personnes déplacées. Pourtant, c'est dans ces instants fort difficiles que la solidarité tient sa quintessence.
Haïti, tout au long de son histoire, a parfaitement démontré cette solidarité agissante entre les peuples. Tantôt initiatrice et tantôt bénéficiaire, la nation haïtienne, dès sa genèse, a toujours fait de la solidarité internationale un des piliers de sa vision du monde et de son engagement. Aujourd'hui encore, Haïti appelle à cette solidarité pour sortir de la crise qui ronge depuis plusieurs décennies et réussir aussi sa transition dont la durée et la mission se veulent très limitées. Chaque jour doit être mis à profit intelligemment. Voilà pourquoi, depuis ma désignation en tant que chef de gouvernement, plusieurs séances de travail ont été tenues avec le Conseil présidentiel de transition, les institutions de lutte contre la corruption et l'impunité, les forces de l'ordre haïtiennes, le secteur privé des affaires, le Conseil électoral, les représentants des collectivités territoriales et évidemment les associations de la diaspora. Dans cette même perspective, plusieurs acteurs du gouvernement m'ont accompagné dans des rencontres stratégiques avec des bailleurs et opérateurs de l'international. Au vu des engagements qui s'annoncent, je joins ma voix à celle du peuple haïtien pour remercier ses partenaires techniques et financiers de leur accompagnement jusqu'ici pour l'avènement d'une Haïti meilleure. Plus que jamais, Haïti doit mobiliser toutes les ressources nécessaires et disponibles pour faire de cette transition la dernière et qu'elle puisse la placer sur la voie de la paix, de la sécurité et du développement durable. Ainsi, il est de notre devoir de construire des partenariats solides et sincères en vue de trouver les stratégies adaptées tenant compte des aspirations du peuple haïtien. Haïti se trouve à un moment critique où 12 000 individus armés tiennent en otage une population de 12 millions. À ce tournant décisif, aucun chantier, qu'il soit économique ou politique, ne peut être abordé sans la question sécuritaire. C'est d'ailleurs pourquoi mon gouvernement salue la mise en œuvre des engagements pris à travers la résolution 2699 relative à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Le déploiement du premier contingent des policiers aux côtés des forces de l'ordre haïtiennes devra contribuer à mettre un frein au barbarisme des groupes criminels. Cependant, Haïti doit échapper à la spirale des missions sécuritaires définitivement. Pour ce faire, il faut redéfinir les approches pour qu'au terme de la MEAS, le pays dispose d'institutions fortes et efficientes pour que nos partenaires internationaux et nous autres éprouvions le sentiment du devoir accompli. Et pour gagner ce pari, mon gouvernement engagera une approche sécuritaire holistique et de proximité. Holistique, car il faut adjoindre de manière efficace le redressement économique et l'accessibilité des services sociaux de base, de proximité, car il faut rétablir la confiance de la population dans sa police. Dans ce contexte, la réforme de la police nationale deviendra un élément indispensable. Notre situation exceptionnelle de sécurité nous commande une police de proximité capable de rétablir et de maintenir l'ordre public et la paix civile, non pas en misant exclusivement sur la répression, mais aussi en s'appuyant sur la prévention et l'accompagnement. La réforme dont il est question couvrira les dimensions logistiques, opérationnelles et financières nécessaires à la mission de sécurité de l'institution policière afin qu'elle soit en mesure de protéger et servir convenablement la population. Nous entendons mettre ainsi le cap vers la réconciliation police-population. De sérieuses procédures d'assainissement interne sont déjà envisagées pour restaurer la confiance à cette institution qui doit être désormais crédible et efficace. Les forces de l'ordre haïtiennes et la mission multinationale d'appui à la sécurité ne peuvent à elles seules garantir cette paix définitive qui se veut être le paradigme de ce nouveau gouvernement. Faire de la sécurité la question de chaque village, de chaque communauté, doit impliquer le soutien de la population. C'est la raison pour laquelle je préconise l'élaboration d'un plan global intégré et réaliste pour accompagner la population. Celui-ci doit prendre en compte l'établissement d'infrastructures adéquates et conformes aux normes de construction moderne, la réorganisation de certaines villes, la réhabilitation, l'implémentation de services sociaux de base fonctionnels et le développement de pôles d'emploi et de développement dans les communautés. Ce n'est que par cette voie que nous arriverons à rétablir une paix et une sécurité durable en Haïti. Cette approche holistique, intégrée et réaliste, s'inspirant du courage et de la résilience du peuple haïtien, sera celle incarnée par ce nouveau leadership de la transition. Par conséquent, avec nos amis de l'international, il devient opportun de revisiter l'accompagnement accordé à Haïti. Cet accompagnement, qui est un devoir de solidarité entre les peuples, ne peut se limiter au contour des seules volontés de l'accompagnateur. Il doit faire de l'accompagné un acteur apte à appréhender les défis et à décider de son destin. Les difficultés auxquelles est confrontée Haïti sont énormes.
avec un taux d'inflation qui déplace les 27%, près de 50% d'emplois perdus, rien que dans le secteur textile, une insécurité alimentaire qui affecte 4,5 millions de personnes, sans compter les 600 000 déplacés internes et les 500 000 enfants déscolarisés. Le pays est en proie à une violence qui paralyse le fonctionnement de dizaines d'hôpitaux et de centres de santé. Des dizaines de commissariats et de centres d'incarcération ont été endommagés ou détruits. Des milliers de prisonniers sont en cavale. La liste peut être plus longue. Cependant, la volonté de travailler à la résolution de ces problèmes urgents, manifestée par les principales parties prenantes de l'accord du 13 avril, laisse transparaître l'espoir. La collaboration entre les différentes parties prenantes a créé une atmosphère de travail apaisée, permettre au Premier ministre, en accord avec le Conseil des présidents, d'arriver à constituer un nouveau gouvernement inclusif, réduire le train de vie de l'État, instituer des ministres délégués, nommer un nouveau directeur général de la police et accueillir le premier contingent de la mission multinationale. Bon, ok. Ou t'attendez Gary Conny. Bon, nous faut entendre un bout dans la déclaration Gary Conny qui t'a mette accent sur chantier lui-même ensemble avec le conseil présidentiel là, déjà mette sous pied tout ça ou déjà réalisé. Mais qui te nous dit où? Ouais, dans l'émission avant, m'a dit où? T'as qui gros zèk pété en dedans conseil présidentiel là, et mais quand t'es pas par la voilà, qui gros même conseil présidentiel yo, yo chida sous t-shirt yo, y'a ton Gary Conny, entre pour Gary Conny, vine pas une explication. Parce que yo dit c'est la veille. Gary Conny écrit un message WhatsApp, li dit yo l'a déplacé. Adieu! Mais quoi c'est bouton de ici? Gary Conny a déplacé qui de pays ya. Gon même conseil présidentiel là qui dit son message WhatsApp li recevoir côté Gary Conny dit l'a quitté pays ya. L'a retourner juste samedi 6. Samedi 5 ou 6. Bon. Est-ce qu'on comprend? Bah ça mette yon groy nan mitan même conseil présidentiel là parce que yon dit yon trouvé son manque de respect. Gary Conny pas respecté yo. Peut-être que nan place yon m'de ka di même bagay là. Mais kounya la si yon pas respecté, est-ce que c'est pas ou même qui cause? Est-ce que c'est pas ou même qui a posé un série de actions qui vont perdre respect ou là? Le respect, nous j'ai dit ou ça, c'est ou action posée pour yon capable baoul. Donc, Napton, parce que ça a déjà annoncé un conflit ouvert entre deux entités, ça y est, on dit la primature, ensemble avec le conseil présidentiel là, Napton, mesdames, messieurs, qui ça a bail. Kenya déployé, soldats kenyans, yo déployé pour te patrouiller, tenez bien patrouillé, et pas opération que t'es gagné, non, s'il vous plaît. Pas de opération, non, s'il vous plaît. Vendredi dernier, nous t'avons remarqué, soldats kenyans t'es déployé, mesdames, messieurs, yo t'as patrouillé en bas la ville, yo monté zone Peggyville, etc. Yo t'as gardé pour yo, ouais, comment axe routier yo, ouais, yo t'as gardé pour yo, ouais, comment yo capable faire des interventions, mais il peut pas rentrer dans aucune opération, s'il vous plaît. Mais nous tellement méchants, tellement cruels. Vous n'avez pas dit que vous avez un journal en Haïti. Ah, nous terrible. Vous avez dit que vous avez un journal en Haïti qui écrit un article qui dit, dans quatre opérations, il y a 7 soldats kenyans mourir. Hatcha! Mais nous grave en pile. Ou y a le moun nan écrit article ça, ou y a là des journaux au Kenya, yo obligé à écrire des articles pour rassurer peuple là pour dire c'est pas vrai. D'ailleurs soldats pas même déployer aucun côté dans aucune opération. Comment on t'a pas le faire mourir? Donc Kenya, yo déployé c'est vrai. Mais c'est pas tout y a fait, y a beaucoup rentré dans aucune opération. Pas quitter moun kap di ou, Kenya fait opération, y a bandit tombé, Kenya dis, Kenya date pas au givé yo. Kose kremol, soldats Kenya yo, mesdames, messieurs, y a beaucoup fait opération, par contre, y a été déployé, y a tap sillonné, tabar, tout kafou rita, ou de ka remarqué des soldats, mesdames, messieurs, avec uniforme kaki yo sou yo. Mais nous dit beaucoup gué opération, qui fait. Parlons de l'armée, parlons de déploiement, mesdames, messieurs. Ministre de la Défense a parlé de Jean-Marc Berthier. Monsieur Téchita, ensemble avec l'ambassadeur accrédité des États-Unis en Haïti. Monsieur Denis Hankins. Dans le cadre de rencontre là, dans le cadre de rencontre ça, il y a pile cause qui est discuté, notamment, il y a possibilité, mesdames, messieurs, pour faire une formation pour soldats forces armées d'Haïti, pour être capable mieux préparer, mieux équiper, mieux former
le pral gagné des interventions pral faites. Parce que qui t'a nous dit, l'intervention qu'a dit pour faire, yo, égale, qu'on était bien pour le temps pour le dire ça tout, nous se dit, déploiement pral fait, yo, la police pas exclu, l'armée pas exclu. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui connaissent terrain, hein? C'est eux-mêmes qui connaissent béton, c'est eux-mêmes qui connaissent exactement, mais qui côté pour yo aller? C'est eux-mêmes qui connaissent une série de ruelles, c'est eux-mêmes qui connaissent une série de zones. Donc leur intervention a fait, le Kenya va lui faire intervention, la police à plat, l'armée à plat. Donc dans le cas de renforcement l'armée a, dans quelle possibilité y a bail l'armée a, opportunité y a bail l'armée a pour le grand monde tête li, pour le capacité pour faire des opérations de formation. Les États-Unis annoncé, yo capable faire pour l'armée d'Haïti. Restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs. N'importe leur information tombée, n'importe sac tombé, n'am que pour informer pour nous dire exactement, mais qui leur formation ça lui-même là, mettez sur pied, mais qui leur soldats nous yo, les soldats des forces armées d'Haïti, y a gagné pour participer dans formation ça, pour déployer normalement, parce que nous toujours dit ça, si monsieur l'armée ça y a une capacité au cas frapper. D'ailleurs, yo pourquoi ganglé, bandit, yo pourquoi qui contrôle soldats ça yo. C'est bon moment, c'est meilleur moment, mesdames, messieurs, pour nous utiliser hôpitaux. Parce que là, ça, nous t'a pas une surprise. Les bandits ont pensé, ils ont pas déployé la police. Police qui ont été contrôlée, ils ont regardé, ouais, c'est l'armée qui a déployé sous eux. Ou après une intervention barbecue, elle t'a parlé, ou elle plus parlé de la police, elle pas parlé de l'armée, mais on sentit qu'on hésite à se parce qu'elle pas gagné dossier pour eux. Donc, nous espérons, mesdames, messieurs, a bien une opération sérieuse, yon le. Une opération normale. Côté le ça, n'a pas capable de dénicher, traquer bandit au tout bon. De sorte que, mesdames, messieurs, pour sécurité, capable de retourner dans le pays correctement. Restez connectés ensemble avec nous. A la capé là, mesdames, messieurs, m'de kota avant, m'de kota partager, morceau, information ensemble avec vous. La parole est faite, cher, pas oublier, toujours dire ça. Chaque fois que nous avons une occasion pour partager ensemble avec vous, un morceau, actualité, morceau, information, prenez avec cœur. OK, et c'est pour ça on toujours mandé aidez-nous partager, quittez like là-bas nous. Ma ka comprendre comment une vidéo me fait gain 2000 3000 moun qui gardel et puis m'a gain 60 70 en bonne main 60 ou bien 80 like. Non, c'est autant de views, autant de like et autant de commentaires parce que c'est chaque moun qui vous décide dit m'a plagon commentaire, m'a plagon like, m'a plagon partage. Si vous voulez nous avancer tout bon vrai. Faut ou backup nous, faut kimbe men nous pour nous capable avancer dans travail là. Bye bye tout le monde. Restez connecté ensemble avec nous. On garde positivité nous. Bon la journée tout le monde. N'ap croiser prochainement pour une autre vidéo.